Bonsoir et bienvenue. La vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment des lourds. Quiconque parmi nous n'a pas envoyé un message audio sur WhatsApp et après, il s'est rendu compte qu'il ne devrait pas envoyer des propos. C'est inapproprié pour un tel contact ou un tel groupe. Et comme vous savez, l'application WhatsApp ne vous permet pas de lire un message audio avant de l'envoyer afin de corriger les éventuelles erreurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de lire un message audio sur WhatsApp avant de l'envoyer afin de s'assurer qu'il s'agit du bon contenu. Cela est faisable pour un contact ou un groupe. Pour ce faire, premièrement, vous allez glisser le microphone vers le cadenas. Maintenant, vous n'avez pas besoin de maintenir appuyé le microphone pour parler. Voilà, maintenant, je suis en train d'enregistrer ce message qui est juste un test pour l'astuce que je viens de vous dire. Maintenant, pour relire le message avant de l'envoyer, il faut toucher le bouton retour de votre smartphone. Puis, quittez l'application WhatsApp. À nouveau, vous allez ouvrir l'application WhatsApp, chercher la discussion. Et comme vous remarquez, voilà, notre message audio n'est pas encore envoyé. Maintenant, je peux le lire pour corriger. Alors, vous avez la possibilité, juste le contenu des messages ne vous convient pas, de le supprimer en touchant ici le signe de la corbeille. Et si tout va bien, vous allez toucher ici pour envoyer ce message. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? À partir de maintenant, vous n'allez plus envoyer des erreurs dans des messages audio sur l'application WhatsApp. L'astuce est simple et facile à effectuer, mais c'est du lourd. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.